Lundi à 20h, tout pile, peut-être 20h02, ouais, on verra, je sais pas si je serai à l'heure. Je fais une grosse vente de vêtements sur Vinted, de chaussures, d'accessoires, parce qu'il est temps de faire le tri. Ça doit faire plus d'un an que je dis à ma mère, maman, t'inquiète, je te promets, je te jure que c'est vrai, mes placards seront vides demain. Et genre, le lendemain, il n'y a rien qui est vide. Donc, il est temps de faire le tri, parce que c'est vrai, je ne mets presque aucun vêtement différent. Vous le voyez tout le temps de toute façon dans les photos que je mets tout le temps mon pantalon kaki. Maintenant, je mets quelques jeans en plus maintenant. Le pull que j'ai reçu là, je sais même pas où il est. J'ai un pull avec des petits écriteaux ici, je le mets tout le temps. Et mon meilleur pote me vanne là-dessus, mais ça, c'est autre chose. Et je pense qu'il est important aussi pour moi de me débarrasser de certaines choses que je ne mets plus, qui ne me servent à rien. Et là-dedans, il y aura vêtements, chaussures, parce qu'il y a encore des sneakers que je dois vendre, parce que je les mets jamais et que ça me sert à rien. Et également, peut-être quelques accessoires ou peut-être des trucs, des babioles à vendre. Je sais pas trop si j'ai beaucoup de choses à vendre. Enfin bref, on verra. Et pour ceux qui sont potentiellement intéressés, mon Vinted s'affiche juste ici, ou alors vous allez en description ou sûrement le premier commentaire, et comme ça vous aurez toutes les infos. Commencez pas à me prendre la tête sur oui mais ce sera ship quand, est-ce que tu pourras bien me l'envoyer, je le ferai en temps et en heure, mais laissez-moi le temps, pitié. D'avance, tout sera négociable, hein. Je pense que les prix, de toute façon je vais mettre des trucs aléatoires, je sais même pas combien je les ai achetés, on verra, franchement on verra comment ça se passera, mais déjà on va voir, on va faire le tri tous ensemble parce que c'est important. Et puis si vous kiffez ce genre de vidéo là, n'hésitez pas à mettre un like, me dire en commentaire s'il y a un des articles qui vous intéresse, que vous allez essayer d'avoir lundi, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. On commence, c'est parti. Et vous le savez, on l'a tous ce syndrome, on l'a tous, regardez. Déjà, pourquoi sur ma chaise il y a autant de vêtements? Je vais avoir que des affaires que je veux garder. Ah bah il est là, ce pull là les gars, je le mets tout le temps. Regardez, bon il a juste un petit écriteau là-dessus, mais j'aime trop la coupe en fait, c'est un sweat noir, rien de plus basique que ça, mais j'aime trop, donc du coup je le mets tout le temps. Mais il y en a plein d'autres là, que vous allez voir après, là-bas, c'est n'importe quoi. Un merch d'MJK et un merch de notre ami Kid Cudi, donc que je vais garder, et un autre merch d'MJK, bon bref. Vous avez compris, j'aime bien ça. On va là-bas sur le placard là. Non mais rien que de regarder, il se ferme même pas. Regardez, je sais même pas si je devrais avoir honte de ça. Donc là, des t-shirts, deux t-shirts, des pantalons, et là je sais même pas ce que c'est. Des serviettes UNSS avec des pulls que je mets pas depuis longtemps. Bon, ça par exemple, je sais même pas, je crois que je vais le faire partir à 1€. Un t-shirt Nike basique en M, ça va être 1 balle. Allez hop, ça on met. Eris Uniqlo en taille M, ça part. Putain, j'ai des t-shirts du Z-Event, est-ce que je vais garder ça? Allez, t-shirt du Z-Event, pareil. Putain, mais qui va acheter un t-shirt du Z-Event? T-shirt Topman, pareil, jamais mis. Hop, ça franchement, je sais même pas si je dois le garder. Quand j'avais été au concert de Maiden, j'avais pris du merch, mais je le mets jamais. J'aime trop l'arrière, mais il est trop petit en fait. Il est beaucoup trop petit, peut-être pour le souvenir, mais j'ai l'autre, j'en ai deux en fait, de Maiden, donc je sais pas trop. On va le mettre dans les à voir. Un t-shirt Uniqlo, M, taille M. On balance. T-shirt MJK, je vais garder. Encore un t-shirt du Z-Event. Waouh, mais moi j'ai mis bien tout le monde là. Quelle taille? Taille L. Allez hop, ça part. Pareil. T-shirt La Planète des Singes. Frère, j'ai des trucs de fou. Pourquoi j'ai ça? Tiens, j'ai du merch de Kid Cudi. Et j'avoue que je me pose la question. Regardez. Et je pense que je le mettrai jamais. J'aime trop l'arrière en fait. L'arrière est trop stylé. Donc c'est In It The Love, c'est genre des sons dans Intergalactic. Et à l'avant, c'est ça. Je sais pas si j'assumerai ce logo là. En vrai de vrai. Je sais pas, je pourrais le vendre combien, sachant que je crois que le merch il est plus à vendre. Je sais pas, un t-shirt Sneakerness, on va bazarder en taille XL. Oh là là, oh, j'ai retrouvé un merch Travis Scott, regardez. Le t-shirt est cool par contre, hein. Celui-là il est cool, de Travis, mais je l'ai mis une fois. On bazarde. Merch d'MJK par contre, on va garder. Clockers, on va vendre. Ça doit faire franchement un mois et demi que je veux remettre ce t-shirt parce que je le kiffe. Le t-shirt Waze là, le From Waze with Love avec le délire bleu et tout et les trucs. Je ne le retrouvais plus. Il était dessous, donc il était là. Donc celui-là, je le garde par contre. Et ça, c'est un t-shirt Forever Vacation XL. Celui-là, je l'aime bien en vrai. Oh là là, comment il est froissé. Oh là là, celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je vais le garder. Deuxième rack, encore bien blindé. Le deuxième t-shirt de Maiden, il est ici, qui est un peu mieux, je trouve. Celui-ci là, donc celui-là je vais le garder, mais je pense que l'autre je vais l'enlever parce qu'il me sert à rien. Deux t-shirts de FV, pareil. C'est pour une vidéo que je dois sortir dans pas très longtemps. Il y a des trucs que je vais partir. Je sais même pas, je vais mettre à genre 5-10 balles, même pas. Un autre t-shirt, le même, le Nike. Je bazarde. Un Vespasian Wotherspoon. On bazarde. Ça pareil, on bazarde. Ça c'est pareil, je l'avais acheté. J'aime trop le t-shirt, hein. Avec les Celtics, avec tout le. Ça. Non, ça je garde. Non, ça je garde. Ça je garde. Ah voilà, il est là. L'autre t-shirt, c'est Do What I Want. Que vous voyez juste là, avec le à l'avant, ça là, Intergalactic. Celui-là, je trouve qu'il se porte plus facilement. Celui-là, je vais le garder. EUMK Corp, on bazarde. Les gars, j'ai une pile de zinzin. Ah bah, vous commencez à la voir apparaître là, sur le côté là. J'ai deux pulls gaufrés de chez Uniqlo, taille M. J'ai dû les mettre une fois dans ma vie. Le Tinit Forever Vacation bleu, je le kiffe, hein, mais je le mets jamais. Allez, là, j'ai vraiment envie de faire le tri là. Ça, c'est un short que je vais garder au cas où pour faire du sport. Voici l'état des lieux. Maintenant, il va falloir passer aux vestes. Alors, bougez pas. Vous me voyez bien là? Bon allez, on va dire que vous me voyez bien. Alors, ça on garde. Pareil, ça. Oh,
Oh les gars, la veste Waze, je l'adore. Hein. Franchement, elle est trop bien. J'ai dû la mettre deux fois dans ma vie. À chaque fois, je la mets. Tu sais, genre, je fais comme ça. Genre, je vais devant mon miroir, comme ça. Je la mets, je fais ça. Je check. Je dis, allez, on passe à autre chose. On enlève. Bon, ça partira pour même pas 100 balles. Bon, ça, les polaires, on garde. Une veste Michael Jackson. Ça me va encore, ça? Le truc que j'avais acheté sur Asos à l'ancienne. Oh, le serveur. Oh, le look de serveur. Non. Alors, ça, c'est quoi? Un pull noir. Ça, ça peut se garder au cas où. Veste pour le boulot. Doudoune pour le boulot. Quoique, je la mets plus, hein. En vrai, de vrai, je la mets plus, hein, ma doudoune pour le boulot, la Nike, là. Elle est trop petite. Allez, on vire. Oh là là, regardez, j'ai trouvé quoi? Un truc que j'ai jamais mis. Petite veste sans manche Carhartt. Elle est neuve, hein. Je vous le dis, en taille M. Oh là là, mais tu sais qu'elle me va bien, en plus, mais jamais assumé ce style-là. Donc, on enlève, hein. Qu'est-ce que je te dis? Ça, c'est quoi? Une veste en mode entraîneur. Jamais mis. Pareil. Allez. On bazarde. Je vais repasser dans le premier plan. Je vais aller chercher ce qu'il y a dans la chambre de ma mère parce qu'il y en a partout. J'ai trouvé trois pulls que je mets jamais. Un Nike qui est trop bien mais qui est pas à ma taille, qui est un peu trop petit. En vrai, celui-là, il était cool que j'avais eu, je crois, dans une box centrale à l'ancienne. Le Nike là. En vrai, il est cool. Ça, je vous dis, ça c'est pareil. Je vais mettre à 20 balles. Ça, je suis un peu déçu mais bon, je le mets jamais. Tinit Waze, que bah, j'adore Rémi, mais je mets pas. Et un autre qui est sorti il y a pas très longtemps. Mais attends, mais le plan il est super haut là. Le petit Tinit Waze qui est sorti il y a pas très longtemps, le fluffy. Je vais garder le gris, je vais revendre le noir parce que bah, je trouve que le gris est mieux. Maintenant, il va falloir aller dans mon autre chambre chez mon père. Et là, on va parler un peu de père. Il y a des nits qui, je sais, vont vous faire plaisir, mais que je mets jamais. On y va. Bon, les refs. On est reparti pour le tri. On est un jour après, du coup, le début de la vidéo. Vous voyez, là, il y a des mangas et il faut que je m'en sépare de certains. Alors, attendez, parce que ça va être chiant. Bon, bah déjà, tu vois, par exemple, ça. Petite casquette Fear of God, ça, ça peut partir aussi. Donc, on va le mettre direct. Les 46 premiers tomes de Kingdom, que vous voyez juste là, ils sont tout neufs. J'ai dû les lire une fois, même pas. Et je les vends tous, alors attendez. Là, ils sont juste là, là. Les 46 premiers tomes, ici. Donc comme ça, vous les voyez et vous pouvez être intéressé par ceux-là. Ils sont tout neufs, hein. Je ferai bien attention de bien les envoyer. Ah si, j'ai un truc, je sais qu'il faut que je vende. Petite veste Uniqlo, que j'ai dû mettre une fois dans ma vie, pareil. Taille M, en mode flanelle. Je crois que c'était ça le délire. Que j'ai pas réussi à porter et tout, pareil. Je bazarde. C'est que des machins de marque indé. J'ai la flemme de le sortir, quoique ça peut peut-être vous montrer. En gros, j'avais acheté la dernière collection Triple Sphère par Supro et je l'ai jamais mis. Regardez, c'est tout neuf, hein. Tout neuf, Triple Sphère, vous voyez là, la veste. Elle est super cool, hein. Jamais portée. Et je vends aussi le pantalon parce que je l'aimais bien, mais je l'ai jamais porté non plus. Pantalon, tout ça c'est taille M. Pareil, les prix, il faudrait que j'aille revoir, mais le truc est ultra quali, juste c'est bah, un peu trop grand pour moi et j'ai pas trop envie de le porter, donc je le mettrai pas. Et un truc qui je sais va vous faire plaisir, je ne ferai pas de recel dessus, donc il va falloir être rapide. Je vends le knitwear Forever Vacation Retail. Voilà, comme ça vous le saurez. Je le mets pas assez pour le mettre, j'ai soutenu Flub en l'achetant, j'ai soutenu Tom aussi, mais je préfère le vendre pour m'acheter autre chose, donc voilà. Passons au père. Alors je sais, j'en ai une, j'hésite encore sur certaines. Celle-ci, il faut absolument que je la vende parce que je suis dégoûté en vrai, mais elle me fait tellement mal aux pieds que je peux pas la garder. C'est la petite premium. Regardez, la crêpe M plat. Je vous la ferai partir pour, je sais pas, comme au prix que je l'ai acheté, voire un petit peu moins. En fait, c'est du 44,5 et je pensais que ça m'irait. J'ai mis la journée, ça allait. Et le lendemain, j'avais l'orteil, vous savez, le plus à droite, le tout petit. J'avais trop mal, genre pendant une semaine. Donc, bon, je vais pas la garder. La boîte, elle est presque intacte. La paire, elle est presque intacte aussi, voilà. Si ça vous intéresse, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres paires que j'ai envie de vendre? En vrai, petite New Balance, la petite 2002R Green. Alors, elle est un peu sale dessous. Il est vrai, mais je la mets pas assez, je la mets plus du tout, donc voilà, je l'avais acheté 227€ sur StockX, voilà, comme ça vous savez d'où elle vient. Et la dernière petite paire, c'est une paire que j'avais eu dans une boîte mystère, et là, faut que je la nettoie avant de la vendre, mais bref, on verra. C'est la petite Air Force One Supreme en taille 45 que je mets jamais, pareil. Donc comme ça, ça pourra faire plaisir à certains. Je sais même pas comment ça se fait qu'il y ait du rose dessous, frère. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes paires? Je pense que c'est tout ce que j'ai à vendre. Je regarde un peu autour de moi. Est-ce qu'il y a d'autres paires que je veux bazarder? Je ne sais pas. Non, les Travis, on va les garder. La New Balance, celle-là, elle est trop belle. Franchement, je pense que c'est bon, hein. Je pense qu'on a fait le gros tri. Maintenant, bah, faut que je fasse toutes les photos pour Vinted. D'ailleurs, je rappelle, le drop, c'est lundi à vers 20h. Et il y aura tout qui sera disponible, tout est négociable. Par contre, si ça part, bah, c'est comme ça. Commencez pas à me dire oui, mais ça va être pour des resellers, machin. C'est pas mon problème. Ça vous va comme réponse? C'est pas mon dos. J'espère en tout cas bah, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et me dire en commentaire s'il y a des articles qui vous plaît. Et aussi, bah, qu'est-ce que vous pensez du fait de faire un tri? Parce que bah, je pense que ça reste quand même assez important. On verra combien je me ferai derrière avec tout cet argent-là et comment on va réutiliser cet argent-là, sûrement dans les vidéos. Qu'est-ce que ça va être cool. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Profitez de Roland Garros parce que c'est bientôt terminé.